رجعنا معكم في لوماغ اكسبريس. بعد شويه باش نحكيوا على اقتصاد كوريا الجنوبيه بعد الهزه اللي شهدتها البلاد في 48 ساعه الاخيره. نحكيوا كذلك على حجب الثقه في فرنسا، حجب الثقه من الحكومه الفرنسيه. قبل هذايا باش نحكيوا على معناها حرفيين تونسيين باش يكونوا موجودين في الاسواق الفرنسيه. هذايا في لوماغ كولتور. لوماغ كولتور. دوك باش نمشيو لفرنسا. هاجر بوجمعة ملمة أكثر مني باريز بريسيزيمون. فما توا تقريبا 5 سنين أكرم بالعيد اللي معناتها كان أكرم عنده معناتها كرياتور، معناتها كان زادا يفوزي دلا فوتو، يفوزي معناتها كان أكتيف ناشط في المجتمع المدني زادا. مشى لفرنسا وعنده تقريبا مدة 5 سنين يعمل سكون أبيل تونيس سور سين، يعني يستدعى دي زارتيست توانسة ويطلعوا سور سين ويتفرجوا فيهم معناتها سواء التوانسة اللي عايشين غاديك سواء يكتشفوهم معناها لي فرونسي. التجربة الجديدة هي إيكو فيلاج هذايا، دونك تعرف توا الوقت اللي فات دو فان داني فما سكون ابيل لي مارشي دو نويل، يعني ناس تمشي باش تتسوق، معروفين لي مارشي دو نويل في البلدان الاوروبيه. هو خلق سكون ابيل لو سوق دو نويل، دونك سوق نويل اللي فيه دي زارتيزون زاده توينس. اسكو لاحظت مليح اكرم ولا لي عسلامه ساعه؟ لا تبارك الله عليك يا جر. عسلامه وليد، عسلامه هذا. اهلا وسهلا، ميرسي بور لانفيتاسيون. لا تبارك الله عليك تبع و تو بيان ريزومي لو بروجي. Donc, Akram Belaïd, directeur de l'association Tunis-sur-Seine avant tout, Jamaïa, Tomchut, pour la promotion de l'art et la culture et la promotion de la scène alternative arabe, qui est Prince Data officiellement sous forme associative depuis 3 ans et demi. On fait plein d'événements sur l'année. Donc, on est connu essentiellement par 2 festivals. Un festival de musique festif. Khalatna Amen Natawa, 4 éditions. Inch'Allah, on est en train de préparer la 5e édition. Chaque début juillet, donc un autre festival de musique. On a une festivité jdida, donc c'est la 2e édition de ce qu'on a appelé l'éco-village Tunis-sur-Seine. Où, du coup, c'est une festivité hivernale qui marque un deuxième rendez-vous annuel avec la diaspora où tous les adhérents, les communautés internationales, pendant 3 ans, on a gagné en visibilité. On a une communauté qui nous suit, qui n'est pas que tunisienne, on est ouvert sur toutes les autres cultures. Et donc l'éco-village VEG, pour parce que nous on fait la promotion des artistes mais des artisans aussi. Donc comme à l'échelle, on fait pas une sorte comme en Europe, le période des vies, il y a plein de marchés de Noël qui mettent en valeur en réalité le savoir-faire de manière artisanale d'une région, voilà, d'un pays, voilà, d'une certaine culture. Ou comme Tbarkala Lina, les artisans ils sont en train d'exceller, ou surtout Ottawa, avec des casquettes d'entrepreneurs, ou ils sont à la démarque, ou des labels, etc. Ou spécificité sénial, ils sont le côté éco-responsable sur les événements internes alcool. Donc, que ce soit l'événement de musique, etc., on essaye toujours de respecter l'environnement interne au maximum, en utilisant une démarche zéro plastique sur les lieux où ils sont. On propose des initiatives et des ateliers autour de ça. Donc, le marché de Noël interne, il sera 100% éco-responsable. Donc voilà, l'éco-village, c'est le thème principal, c'est le marché de Noël, mais autour de ça, on propose toujours des activités. Donc, on a toujours des ateliers pour enfants, le public interne, voilà, il est composé de jeunes, mais aussi de jeunes parents ou d'enfants. On a les 3 tranches d'âge, j'ai envie de dire, les 3 générations sur place qui collent l'événement, et ça, on commence à le voir récemment. Donc, il y aura des ateliers pour enfants, il y aura des concerts le samedi soir, il y aura 3 concerts et un DJ set. Il y aura 4 formations, je vais vous parler en bas, si tu veux, je vais vous parler l'aspect musical. Et puis, c'est un week-end, samedi, dimanche, 14-15 décembre, à partir de midi. Donc, il y aura le marché de midi à 19h tous les jours. Il y aura 20 exposants, donc ça sera un grand marché, Manouche, match Camelot en 5 minutes. Ou voilà, si vous avez des questions pour plus de détails, je vous en parle plus. بالنسبة للحرفيين التوانسة اللي باش يكونوا موجودين أكرم، أعطينا فكرة شنو الاختصاصات، شنو هي القطاعات، شنو هما لي برودوي اللي نجموا نلقاوهم في الاكسبوزيسيون هذه؟ Alors, احنا ce qu'on tient à faire à chaque fois, on fait toujours une sélection porte à porte. Donc, on ne fait pas des appels publics. On tient à nous
المارشي نتاعنا يكون ديفيرسيفي، يكون فيه تو لي شوا بوسيبل، ما تكونش اون دومينونت دي سيرتين ديسيبلين. دونك اون شيفر سور لي 20 اكسبوزون، فما 14 اكسبوزون تونسي، لي سيز اوتر سي ان ميلانج، فما اون ليبانيز، اون ماروكين، دي فرونسي، اون ايتاليان، اي سي توجور ا ليماج دو تونس سور سين. نحبوا نتحلوا على لي زوريجين الكل. اي سور لي 14 تونيزيان، دونك يورا دو تو، فما لي زوبجي ديكو، فما لارتيزانا او تكستيل، فما لي بيسري فين، فما لي جو دو سوسيتي، فما لي بيجو. دونك يا فريمون دو تو. بيان سور chaque exposant doit avoir une démarche éco-responsable et éthique. C'est le cas de tous nos exposants. Voilà, il y a vraiment de tout. Mais les critères d'éligibilité, Hachtin, l'aspect éco-responsable ou l'innovation, parce qu'on part toujours sur des produits à une certaine innovation, toujours ou surtout donner un aspect atypique, les cadeaux de Noël, parce que pour ceux qui vivent en Europe, il y a Fouhev, les marchés de Noël commencent à se ressembler, donc on trouve toujours les mêmes choses. Hajelbe, qui dit l'éco-village Tunis sur Seine, tu peux trouver des idées de cadeaux différents et originaux, ou surtout ils respectent aussi l'environnement ou le marché éthique. الملاحظ كونه تنوع شوية العرض مقارنة مع تقليديا شنو كنا بتتر نقدمه في السوق الفرنسية أكرم. كل فولكلور معناتها الحاجات كل شيء. والله في الدماغ كبير نتاعنا، في الدماغ شارتيستيك من الأول، معناها احنا on a pas cette prétention mais on a envie d'être vraiment une vitrine pour notre savoir-faire artistique ou artisanal في تونس. Donc حتى في الارتيزانال on n'est plus sur une démarche d'une artisanat, ce que j'appelle l'artisanat 2.0. Donc on n'est pas dans le folklore, on n'est pas dans l'artisanat pur et dur. Bien sûr, Eric, à la base, on respecte, mais on cherche toujours à trouver cet aspect entrepreneurial, voilà. Cet aspect innovant, les femmes ont un côté créatif, les femmes ont un côté utile ou pratique, ou qui respecte aussi l'environnement. Donc, on est un peu sélectif, donc on fait du porte-à-porte, on essaie, nous, de chercher des exposants qui nous intéressent, que ce soit Twins, d'ailleurs, Yaïch ou Fi France, ou la Fito, notre femme a des exposants, Twins, Jain, Mentonus, ou femme a des exposants ici locaux. Donc, ce sera vraiment un mélange de tout. شكرا لك اكرم. الفنانين ما سميتش انت سميت بون، قلت لي زارتيزان من غير ما نسميو لي مارك، خاطر شكون جاي من تونس الى اخره. ناش كنت حاب تعطي فكره زاده على لي كونسير، معناتها شكون باش يكتشفوا موسيقى زاده تونسيه اكرم وعلى لي. Alors il y aura trois concerts. La première c'est une artiste marocaine. اول مره باش تعمل son premier concert public de manière générale au Fil Belize. C'est un nouveau talent. On aime beaucoup travailler sur les artistes en devenir ou à scène émergente. On ne pas les artistes super connus parce que voilà, ils n'ont pas besoin de nous pour se faire connaître. Au contraire, on essaie d'aider et d'accompagner les artistes qui sont méconnus au grand public. Donc, elle s'appelle Zim, c'est une Marocaine qui fait de la néo-soul. Et là, je te recommande vivement, elle a une voix qui ne te laisse pas indifférent en tout cas. Juste après, il y aura Souden, c'est un projet Tounsi qui a joué pour la première fois au festival interne l'été dernier, donc c'était sa première introduction au grand public, donc il va rejouer, fait de la pop d'une manière générale, Soudaine. En troisième, il y aura une formation franco-marocaine qui s'appelle Alright Mela, c'est des angevins mélangés et un chanteur maghrébi, Smoujaoued Garrouge. C'est un beau projet qui est en train de tourner, qui n'est pas aussi très connu au public, mais c'est un projet très groove, très musical. Et puis pour finir la soirée, un DJ tunisien qui vit en Angleterre, à Manchester, qui va jouer pour la première fois à Paris, s'appelle Shafir. Donc voilà, l'idée c'est de faire la fête le samedi après le marché, tout en découvrant des nouveaux talents qui ont de beaux projets, mais qui ne sont pas encore connus au grand public. Donc nous, c'est notre rôle, c'est de les mettre en valeur, c'est de les booster à travers les événements qu'on organise ou... خنذكروا هذا الكل وقتاش باش يصير اكرم. Dans 9 jours, le 14-15 décembre, samedi, dimanche, à partir de midi, le marché sera ouvert dans un lieu qui s'appelle le Hasard Ludique, c'est Paris 18e.
C'est une ancienne gare à la base. Ici, on a beaucoup le concept dans les tiers-lieux. Donc, c'est des lieux culturels qui s'installent, puis des lieux lesquels ou haja qbel une industrie ou une usine désaffectée ou une ancienne gare qui malazar ludique. Donc, le haja lbé aussi, fait l'événementaire, il y a ce côté atypique du lieu, les bichidji. Il y a un intérieur, une partie restauration, tu peux brancher tes calhages à fait fait, puis tu descends les escaliers. Donc sur les quais de l'ancienne gare, donc là où il y a les rails, on dirait un quai, c'est là où il y a la partie exposante. Donc tout au long du quai, il y aura tout le marché avec la décoration qui va suivre. Shinji vous aide à la petite surprise. On va ramener une prêteuse tunisienne, je t'amène ma bonne ballon sur place, donc c'est pas fréquent de trouver ça, donc un petit goûter salé, sucré, chaud, tourne sur place. Amener, enfin, la première édition, on a le blébi, donc il y avait la fondue et le blébi, c'est un peu la petite touche tunisienne chaude du marché. Où il y a pas mal d'autres surprises, il y aura une déambulation musicale, enfin un artiste aussi qui joue de la gnawa ou le gambri. Majd Bouksir qui va faire une performance sur le marché. Donc l'idée c'est de scénariser un peu le marché où on lui donne plus de vie. Donc en plus de la déco, des exposants, il y aura un peu de musique, il y aura des ateliers sur place. Donc voilà, l'idée c'est de créer un marché haka hayou ou zakarna Tunis, mais avec un aspect haka plus créatif, très organisé. شكرا لك شكرا لك اكرم قربت لكم شويه يظهر لي اكثر شويه من قربت لنا معناها بالبمبلوني خاصه درا قداش كعبت البمبلوني باللغه بون ماشي سي با اون فري كيسيون اكرم اكرم بالعيد كل التوفيق ميرسي بوكو يعطيك الصحه اكرم وميرسي على الانفيتاسيون وطلع علينا مره اون با مال ديفينمون اجي ومره والله ماذا بينا شكون يعطي انت تعطينا الفيزا تونجي وحنا ميرسي احنا ماذا بينا ميرسي بوكو يعطيك الصحه اكرم بالعيد دونك تواجد تونسي مكثف خاصه الحرفيين دي برودوي توانسه مش بالضروره لي برودوي اللي مستنسين نلقاوهم معناها عاده مش القفص نتاع سيدي بوسعيد بالضبط مش في اطار فولكلوري دونك هذا باش يصير بعد 9 ايام هكا اكزاكتومون 14 15 ديسمبر باش نحكيو على بلاد اللي قلبت العالم في 48 ساعه الاخيره وهي بدورها زاده عاشت على وقع معناها هزه سياسيه وكذلك عندها تاثير اقتصادي نحكيو على كوريا الجنوبيه في لوماجيكو كل يوم